Bon, ben je pense que ce soir, on va pouvoir commencer. Je pense que d'après le titre que vous avez vu de cette conférence, vous vous doutez ce qui m'a amené à choisir ce titre. Pour commencer à traiter de ce sujet, je crois que pour répondre à l'interrogation du titre de la conférence, la France a-t-elle changer de religion tutélaire, il faut commencer par se poser la question « Qu'est-ce que la France ?» Qu'est-ce que la France, qui est la plus ancienne nation constituée, et que représente-t-elle par ses origines? Car rappelons-le, c'est sous l'influence de sa femme, la princesse Clotilde, qui était une princesse catholique burgonde, que Clovis s'est converti. Donc la France est née en 496 par le baptême de Clovis à Reims, célébré par l'évêque Rémy. Et ce que j'ai déjà dit, parce que je vais tout de même répéter, parce qu'il faut toujours répéter ce que nous sommes, d'où nous venons, quel a été le rôle historique de la France dans l'humanité. Ce qui est intéressant dans cette conversion, c'est qu'on retrouve les mêmes éléments que celles qui avaient amené l'empereur Constantin à convertir son empire sous l'influence de sa mère, Hélène. Et pour Clovis, c'est exactement la même chose. Ça a été aussi son épouse qui l'a poussé à se convertir. Et comment? Dans quelles circonstances? C'est ça qui est tout de même très intéressant. C'est que Clovis avait voulu venir au secours au secours d'un de ses frères d'armes qui était en passe d'être vaincu. Et lui-même, intervenant dans la bataille, était en mauvaise posture. Et ne sachant plus à quelle divinité païenne se référer, en invoquer, il s'est rappelé de ce que lui avait dit son épouse Clotilde, et il promit au Seigneur Jésus, dont lui parlait constamment son épouse, de se convertir si Dieu, des chrétiens, lui donnait la victoire. Ce qu'il obtint. Et comme l'empereur Constantin, exactement dans les mêmes conditions, lui aussi en passe d'être défait, lors de la bataille de Milvius, eh bien ces deux hommes ont tenu parole et se sont convertis à la veille d'être défaits. Donc ce sont des choses intéressantes, parce que ce sont des petits clins d'œil de l'histoire qui ont une lourde signification dans ce que deviennent les nations, dans ce que deviennent les empires, dans un cas comme l'autre. Et cette alliance représente en fait comme un espèce de pacte entre un plan divin et un dessein politique qui commence avec le baptême de Clovis, qui sera renouvelé par le sacre des rois de France à Reims et qui sera encore confirmé par la consécration de la France au Sacré-Cœur par Louis XIII, le 10 février 1638, et qui se perpétuera jusqu'à la Révolution dite française. Et c'est cela même, justement, que la Révolution dite française a voulu détruire. Parce que c'était le point de départ pour ce vieux complot messianique
d'atteindre d'abord la France, qui était le socle de la chrétienté de l'époque, pour pouvoir entreprendre cette démarche vers la République universelle. Puis ce terme de République universelle, je le rappellerai encore, faisait partie de ce que les conjurés de l'époque annonçaient déjà. Il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on appelle aujourd'hui le complot mondialiste, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque la République universelle. On n'en sort pas. Donc, ce n'est pas du tout l'effet du hasard. Ça correspond à un plan déjà préétabli dont nous voyons, nous avons vu, au fur et à mesure des époques, le développement jusqu'à aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se surprendre de ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis la Révolution dite française jusqu'à nos jours, et d'étape en étape, on est allé vers l'accomplissement de cette démarche mondialiste messianique. Et alors, à ce propos-là, ayant tout de même rappelé très rapidement le socle de ce qu'est la France, je voudrais poser une question devant le spectacle que nous offre la France d'aujourd'hui. La France est-elle encore issue du baptême de Clovis? Ou bien est-elle celle que définissait un certain Éric Besson, ministre de l'immigration de Nicolas Sarkozy dans Le Parisien, du 5 janvier 2010. Voilà ce qu'il disait. La France n'est ni un peuple, ni une langue, ni un territoire, ni une religion. C'est un conglomérat de peuples qui veulent vivre ensemble. Il n'y a pas de Français de souche, il n'y a qu'une France du métissage. Alors, c'est quoi la France? Donc, c'était là, évacué toute trace de notre mémoire, de notre socle politique et religieux, qui avait constitué la France et qui avait fait sa grandeur. Alors, devant pareille énormité, je me suis dit, mais ce Éric Besson, c'est qui ce type-là? Et je me suis mis à gratter, toujours bon, de savoir qui sont les gens, d'où ils viennent, ce qu'ils représentent. Et alors, comme souvent, et je dirais de plus en plus souvent, quand on va sur Internet, qu'on cherche l'appartenance de tel ou tel individu à ce qu'il est réellement, c'est curieux, des informations qui sont complètement effacées. Très curieux. Révélateur. Donc j'ai cherché, je n'ai trouvé que comme information qu'il était né le 2 avril 1958 à Marrakech, au Maroc, que sa mère serait d'origine libanaise, mais sans que son nom soit donné. Pourquoi ? Et au-delà de son parcours politique d'homme de gauche, progressiste bien sûr, son parcours sentimental était un petit peu agité. Et là aussi c'est assez révélateur, car il épousait le 12 septembre 2010, en deuxième noce, sa compagne, Yasmine Tordjman. Étudiante dite d'origine tunisienne, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais tunisienne, de quelle autre origine éventuellement? Silence. Il s'en sépara en 2013 pour épouser à Las Vegas. En août 2015, Jasmila Azerwal. Alors, bon, vous ne pensez pas qu'avec ces deux noms particulièrement typés, ça nous définit les origines de ce monsieur Besson? Pas besoin de vous faire un dessin ou un croquis de profil, comme je dis. On se comprend.
Bon, mais en tout cas, de sa déclaration, on retrouvait là toute la haine de ce qu'est la France et la volonté de ce ministre Nicolas Sarkozy de la transformer. Et on en trouvait l'inspiration dans la déclaration que j'ai déjà citée en de nombreuses reprises, vu sa signification, de Nicolas Sarkozy, petit-fils par sa mère, d'un rabbin sioniste de Salonique. Ce qui explique beaucoup de choses. Il avait déclaré le 17 décembre 2008, à l'école polytechnique, « L'universalisme de la France est basé sur le métissage. » Encore un. « Le métissage n'est pas un choix, c'est une obligation. » Nous devons changer et on va se mettre des obligations de résultat si ce volontarisme républicain ne fonctionne pas. Il faudrait que la République passe alors à des méthodes plus contraignantes encore. Bon démocrate. Ah, bon démocrate. Et puis, volontarisme républicain, ce ne serait pas plutôt un volontarisme juif ? Qui est au pouvoir aujourd'hui ? Telle est la volonté de transformation, de destruction du socle national et chrétien de la France sous l'avalanche de l'immigration-invasion imposée à partir de l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, puis poursuivie par François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Tous de même origine. On comprend que Nicolas Sarkozy ait pu déclarer à Philippe de Villiers être, je cite, « totalement insensible à la France, à son histoire, son terroir, ses paysages, ses traditions. » Ce qui n'a pas empêché le vicomte de Villiers de devenir membre du comité de liaison de la majorité présidentielle de Sarkozy. Et aujourd'hui, le vicomte de Villiers confirme sa judéophilie par sa déclaration au sujet des événements de Gaza. Si Israël meurt, alors l'Occident sera mortellement atteint. Philippe de Villiers. Déjà, Alain Soral avait bien ciblé cet étrange vicomte, le traitant de singe sioniste de l'avocat juif William Goldnadel, pour sa déclaration d'amour à celui-ci exposée en ces termes élégants. T'étais d'abord un des premiers Français à faire le lien parce qu'on a les mêmes ennemis et les mêmes amis. Et cette amitié entre ces deux testaments, l'ancien et le nouveau, est précieuse. Moi, je dis à William, t'es un grand Français parce que t'es courageux, t'as tout compris, t'as tout vu. Ta lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Disait René Char. T'as tout vu, t'as tout compris, nous sommes de la même tranchée, nous sommes du même maquis. William, j'irai te chercher dans les barbelés. C'est l'amour. Il y a des hôpitaux pour ça.
Bon, faut-il en rire ? Pour comprendre à quel point nos prétendues élites sont judaïsées. À moins que Villiers lui-même à en croire certaines rumeurs. Aurait des ascendances juives, ce qui expliquerait son attitude. Connaissez la formule ? Juif un jour, juif toujours, car les conversions réelles sont rares. En outre, son allusion à l'amitié entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, rejoint l'escroquerie intellectuelle du judéo-christianisme. Car s'il y a eu un Nouveau Testament, c'était pour abroger l'Ancien, sinon je ne vois pas pourquoi. Il y aurait eu un Nouveau Testament. Et qui découlait du fait du refus des Juifs d'accepter le message du Christ qui ne leur apportait pas le pouvoir sur le monde qu'ils en attendaient. D'ailleurs, on mesure le mensonge de ce judéo-christianisme dont certains, tels Bernard Anthony, Éric Moïse Zemmour, Marion Maréchalot et d'autres, prétendent nous convaincre à la lumière d'une proposition de députés israéliens d'emprisonner les chrétiens faisant la promotion de Jésus-Christ. Judéo-christianisme. Bel exemple. Sans oublier les textes blasphématoires du Talmud, bien entendu, que M. Anthony, Zemmour et autres semblent oublier, ne pas connaître. Ainsi, M. Vicomte, avec sa prétendue amitié entre les deux testaments anciens et nouveaux, cherche à tromper et il ferait mieux de se taire. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à son sujet. Relevons pour terminer avec ce triste rejeton de la noblesse qui joue au souverainiste pour appâter, que l'on ne trouve pas dans son discours un seul mot de pitié ou d'indignation envers le génocide des Palestiniens par Israël. Il est donc judéo-israélo-compatible. On retrouve aujourd'hui la négation de ce qu'est réellement la France et la haine envers ce qu'elle est dans son essence, affichée par Nicolas Sarkozy et son ministre Besson, dans différentes déclarations d'Emmanuel Macron que j'ai déjà citées et que je vais encore citer et que je continuerai encore à citer vu leur signification. Et entre autres, celle à Lyon, le 4 février 2017, où Emmanuel Macron, étalait sa haine de ce qu'est la France, en déclarant « Il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France, mais elle est diverse et multiple. » Plus tard, quelques jours plus tard, à Londres, le 21 février 2017, l'art français, je ne l'ai jamais vu. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Il poursuivait son obsession et son délire haineux envers la France à Erevan, en Arménie, le 11 octobre 2018. La langue française n'a pas de lien avec la nation française. Elle n'appartient à aucun d'entre nous, en tout cas certainement pas à lui.
Elle s'est émancipée de ses liens avec la nation française. Son épicentre, je l'ai souvent dit, n'est ni à droite ou à gauche, et je puis dire de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo, ou quelque part dans la région. Là encore, je dirais, il y a des maisons spécialisées pour ce genre de maladie. Non, mais enfin, cessons de plaisanter. On touche du doigt la haine de ces gens-là, alors qu'ils sont présidents de la République, de notre pays. On est gouverné par des gens qui nous haïssent. Et je ne cesserai de le répéter, de le répéter, et de le répéter. Sa haine de la France éclatait encore à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, le 22 janvier 2019. Et je cite. « Parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que parfois le français ne m'apporte plus. » Comme il est regrettable de ne pas l'avoir ici en face, pour lui faire une petite caresse. C'est à hurler. Et à New York, le 25 septembre 2018, il disait ceci. Parce que je viens d'un pays qui a fait beaucoup de mauvaises choses, etc. Et alors là, je suis entièrement d'accord avec lui. Pour l'avoir élu et réélu. Tout simplement. Donc, pour ces gens qui aujourd'hui gouvernent la France, c'est une France défrancisée. Ils veulent dépouiller de son histoire, déposséder du baptême de Clovis et de son socle chrétien. On comprend qu'Emmanuel Macron fasse tout pour verrouiller Internet, car sans cet outil, bien des informations capitales passeraient inaperçues, telle une photo de sa mère, Françoise Nogues, avec Jacques Attali. Vous pouvez aller sur Internet, vous la verrez, c'est parfaitement démonstratif. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit « Ah, intéressant, on va creuser la chose. » Tellement la connivence était évidente entre ces deux personnes, et cela m'a donné l'idée de consulter à nouveau la généalogie que l'on retrouve, enfin, la liste des Juifs qui avait été expulsé par Isabelle la catholique, qui a été publié par le site Atlantico. Vous pouvez le retrouver, moi je l'ai trouvé sur Internet, vous pouvez trouver, c'est plein d'enseignements. Vous trouvez des noms que nous connaissons, c'est très révélateur. Et donc j'ai fait cette démarche, la même démarche que j'avais fait déjà à propos de Manuel Valls, où j'avais découvert que Manuel Valls était originaire d'un rabbin des Baléares en Espagne. Et là, je retrouvais la même chose pour l'ascendance d'Emmanuel Macron. François Nogues, sa mère, descendait par son père Jean Nogues d'Esther Mas, dont le nom figurait sur la liste en question dont je viens de parler. Donc, je vous signale, cette liste, vous la trouvez sur le site Atlantico. Donc, Emmanuel Macron descend bien par sa mère d'une famille juive séfarade, expulsée d'Espagne par Isabelle la catholique. Il est donc doublement étranger à la France. Ce qui explique sa haine de la France catholique
comme de tout ce qui est catholique. Mais Emmanuel Macron n'est pas simplement juif par sa mère. Intellectuellement, il est aussi franc-maçon, il faut le savoir. Et rappelez-vous la cérémonie qui a suivi son élection en 2017, devant la grande pyramide du Louvre, le sceau maçonnique imprimé sur le palais des rois de France qui est derrière. Il n'y a pas de hasard, et ces gens-là adorent les symboles et aiment nous imposer leurs symboles. Donc là, il faut savoir ce que c'est. Et cette appartenance à la maçonnerie, on allait vite en avoir la confirmation par quelqu'un bien placé pour le savoir, Gioiello Magaldi, qui est grand maître de la loge Artsion, c'est-à-dire du Mont Sion, comme c'est curieux, n'est-ce pas, qui est l'une des obédiences du Grand Orient d'Italie. Fondateur du Grand Orient démocratique, scission du Grand Orient d'Italie, spécialiste de l'hermétisme et de la Kabbale juive, Gioiello Magaldi est initié au 30e degré, chevalier Kadosh du rite écossais, ancien et accepté en 2005. Il est affilié aussi à la loge Thomas Paine et il est aussi président du mouvement Roosevelt. Donc, en confirmant l'appartenance maçonnique d'Emmanuel Macron, il savait ce qu'il disait. Et de même, rappelons-le, le juif et franc-maçon Serge Moratti confirmait l'appartenance maçonnique d'Emmanuel Macron par ces termes: Macron est devenu président en marchant vers la lumière. Et relevant la présence de Macron devant la pyramide du Louvre, Moati confirmait encore: c'est un rite initiatique indispensable. Effectivement, au soir de sa victoire, Emmanuel Macron déclarait devant ses femmes, en saluant la foule par le salut à l'ordre maçonnique, c'est pas la main sur le cœur, hein, contrairement à ce que beaucoup d'innocents croient, c'est un signe maçonnique. Donc, la main sur le cœur, au son de l'hymne de la joie de Ludwig von Beethoven, franc-maçon lui-même, ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. Ils attendent que nous défendions les lumières. Voilà par qui nous sommes gouvernés. Ainsi, la mainmise juive et maçonnique sur la France découle de cet ensemble de citations et évoque ce que Jacques Attali déclarait en 2013 dans son livre « Laïciser l'État, enfin !» Je cite. « Il convient même désormais d'aller plus loin et d'enlever de notre société laïque les derniers restes des désignations d'origine religieuse. Par exemple, les jours fériés ne devraient être que laïques, tels le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet, le 11 novembre. Les autres, dont les noms conservent encore une connotation religieuse, la Toussaint, Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption, devraient se voir attribuer le nom des noms laïcs, fête des enfants pour Noël, fête de la liberté pour Pâques, etc., etc. C'est donc sous le prétexte d'une soi-disant neutralité laïque que ces différents représentants de l'intelligentsia juive qui nous gouverne voudrait bâtir une France
cachère. C'est cette démarche, c'est à cette démarche qu'allait s'attacher un nouveau venu, Éric Moïse Zemmour, dès ses premiers livres. On lui découvrait son vrai visage de juif sioniste et talmudique, infiltré au sein de la droite dite nationale et pire encore catholique. La tactique d'infiltration des Zemmour par le biais de ses ouvrages et de son discours a commencé avec son livre « Le suicide français ». Il prenait notamment la défense du maréchal Pétain. Bonne clé d'introduction, ça. D'autres l'ont fait avant lui. Ça rassure. Oui, mais... Son ouvrage suivant, Un quinquennat pour rien, annonçait une chose qui n'a pas eu lieu, mais annonçait ce qu'il avait appelé l'opération Ronce. Et il comptait sur l'armée française, judaïsée par l'apport de Tsahal, de régler le problème des banlieues. J'y vois pas d'inconvénient, mais aurait-on besoin de Tsahal pour ça? Mais ce qui est typique avec ces gens qui veulent nous mettre en garde, qui voudraient régler le problème de l'immigration-invasion, c'est que jamais ils ne remontent à la cause première, à ceux qui imposent cette politique d'immigration-invasion, c'est-à-dire leurs coreligionnaires. Car les partisans de cette politique d'immigration-invasion, c'est qui? Les athées. Toute la presse juive, l'Express, Libération, le Nouvel Obs, etc., etc. Là, silence. Toujours la même chose, on dénonce les effets, mais on ne remonte pas la cause. Et là, je vous dirais que pour moi, c'est absolument typique et révélateur, c'est que quand j'entends quelqu'un taper sur l'immigration, à juste titre, telle qu'elle est, tel qu'on nous l'impose, mais qui ne remonte pas à la cause, je dis, toi, tu n'es pas sérieux, exit. Je dis, comme diagnostic, c'est parfait. Et bien entendu, ce Éric Moïse Zemmour, vous savez, celui qui a une double vaisselle. Pour ceux, en principe, catholiques, il reçoit, et puis pour les juifs, pas mélanger les serviettes et les torchons, bien sûr. Donc, ce Zemmour, nous expliquait calmement qu'en France, Israël et la France ont un destin commun. Je cite, « Israël a été pendant des siècles le modèle de la France. » Mais bien entendu, Israël a été pendant des siècles le modèle de la France. La France devient à son tour le modèle d'Israël. Et puis, plus loin, il a séné, imitant de Gaulle, la nation farouche, sûre d'elle-même et dominatrice, pour qui la guerre est la continuation naturelle de la politique, pour qui la gloire des armes est une forme suprême de l'art. Tsahal renoue avec l'enthousiasme des soldats de l'an 2. De l'an 2. Les deux nations sont condamnées sous peine de mort à retrouver leur intimité ancestrale. Sans l'universalisme chrétien, Israël s'enferme dans un nationalisme ethnique et ségrégationniste
qui trouve sa légitimité rationnelle dans le déséquilibre démographique. Je ferais bien un peigne pour essayer de démêler ça. Hein. C'est clair que Jutschi, comme on disait autrefois. Sans le nationalisme juif, la France s'abîme dans la sortie de l'histoire d'une nation millénaire dépossédée de son état, de son passé, de ses racines, de son territoire même, au nom de la religion abstraite et aveugle du droit de l'homme. Très rassurant, ça. C'est la France qui vomisse en Israël. En Israël. La France d'antan, la France éternelle. La France, son état-nation, son histoire millénaire, sa terre sacrée. Israël est le miroir d'une France qu'ils haïssent tant qu'ils veulent en effacer jusqu'à son rejet. Alors vous avez tout là-dedans. Vous avez un aspect évidemment rassurant, on pourrait adhérer, mais sous l'éclairage juif. Je continue. Et il continue. Les deux nations sont condamnées, sous peine de mort, à retrouver, encore une fois, il revient là-dessus, leur intimité ancestrale. Alors, petit rappel quand même. Oublie-t-il sciemment, ou ignore-t-il, que les rois de France ont été obligés au cours des siècles régulièrement à mettre à la porte des communautés juives du fait des pogroms, des populations indignées des trafics juifs pour établir l'ordre dans le royaume. Et même le CRIF a publié une liste des expulsions de communautés juives, 13 au total, au cours de l'histoire. Et apparemment, ce bon petit Zemmour, Moïse, n'est pas au courant de ce travail de ces coreligionnaires du CRIF, comme c'est curieux. Et aussi, quand on voit ce texte, on se rend compte que de la part du juge Zemmour, il y a une volonté de s'approprier la France, une France juive. Et c'est ce que nombre de personnes dans les milieux nationaux et catholiques ne comprennent pas. J'espère que c'est par méconnaissance de ces textes, parce que s'ils ont connaissance de ces textes et qu'ils continuent à l'applaudir, il y a un problème quant à leur catholicisme. Et je rappellerai aussi les fameuses déclarations du rabbin Touitou, que vous connaissez vous pour la plupart, qui se réjouissait de l'immigration-invasion en Europe en se félicitant que l'islam soit le balai d'Israël contre la chrétienté, donc de la France. Donc vous voyez ce qu'il y a de terrible avec des individus comme ce Zemmour, et il n'est pas le seul, de cette origine, il mélange habilement des choses que l'on peut parfaitement accepter, notamment concernant l'immigration, mais tout en développant tout un raisonnement qui tend à donner une notion que la nation a toujours été une nation juive. Et pour définir encore un peu plus nettement ce qu'est ce Zemmour, je voudrais rappeler sa déclaration sur TF1 au micro de son ami et co-religionnaire
Glucksmann, dans laquelle il disait « Je suis pour l'Église, mais contre le Christ. Le Christ, c'est la mort. » Et il y a des catholiques qui votent pour cet individu. Alors, bon, je lui donne raison en ce qui concerne l'Église. Je comprends parfaitement qu'il soit tout à fait d'accord avec l'Église d'aujourd'hui de François. Pas de problème. Pour le reste, il montre tout simplement qu'il n'est qu'un juge talmudique. Et je soulignerai à nouveau sa référence aux soldats de l'an 2. Donc, sa référence, c'est la France de la Révolution. Celle des Weishaupt, des Klotz, des Balsamo, des Marat et compagnie. Et c'est amusant parce que, vraiment, sa formule, sa ligne politique rejoint la formule maçonnique du Maran Henri de Lesque. Maran, j'ai bien dit Maran. C'est dans sa lettre d'information du club de l'horloge numéro 1 qu'il dirige, qu'il écrivait ceci, la déclaration des droits de l'homme et l'acte de baptême de la nation française. Donc, évacuer les rois de France. Pourquoi est-ce que j'ai dit Maran à propos d'Henri de Lesque? Pour la simple raison qu'il l'est. Et on en a confirmation par un texte de la LICRA qui, devant certaines déclarations quelque peu antisémites du dit Lesquin, lui avait rappelé qu'il était mal placé pour le faire compte tenu son ascendance. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu la moindre mise au point dans les dessins à ce sujet-là. Je l'ai cité dans la politique à plusieurs reprises, je l'ai cité aussi dans des conférences, je recommence aujourd'hui. J'attends que M. de Lesquin réagisse. Alors, vous comprenez comment, quand les milieux dits nationaux et catholiques sont sous l'influence d'individus pareils, comment voulez-vous qu'ils soient capables de faire la révolution qu'il faudrait faire? Tout est fait pour les induire en erreur, pour leur donner de faux espoirs avec de faux chefs. Et toujours dans cette optique-là, je voudrais rappeler aussi un joli texte d'un autre individu que j'aime bien rappeler. Un autre marin, Bernard Antony, président des amitiés juives et chrétiennes, des étudiants juifs rapatriés d'Algérie, qui dans son histoire des juifs d'Abraham à nos jours, affirmait le christianisme et le judaïsme, c'est la même chose. Apparemment, il a oublié ce qui était arrivé au Christ. Et le pire, c'est que nos milieux, entre guillemets, font semblant de ne pas voir ou entendre ce que signifient ces déclarations. D'où la complaisance de Renaissance catholique de Jean-Pierre Maugendre, celle de Chérian Montreuil, de Jean Auguet et François-Xavier Dautefeuille, ou encore de Thibaut de Chassé à la Librairie française, ou encore la dite Action française de la Restauration nationale, qui tous ont invité Bernard Antony et Moïse Zemmour pour des conférences ou pour des dédicaces de livres.
Ça veut dire quoi? Que le verre est dans le fruit. Vous voyez, ce qui fait ma spécificité, dont je suis tout de même fier, c'est que j'ose dire les choses, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et que je me contrefiche éperdument que ça ne plaise pas. Et je mets au défi, si j'ai menti, qu'on le démontre. Non, mais c'est incroyable. Quand on creuse vraiment nos milieux, petit rappel à propos de Thibaut de Chassé, je ne comprends pas. J'ai connu ce garçon il y a des années, quand il était encore président des jeunes du Front National. On l'avait invité d'ailleurs pour donner des conférences. Et on perçoit vraiment une légèreté sur certains sujets que je ne comprends pas. D'où le rappel que je fais, qui a été à l'origine de notre bruit. Il éditait à l'époque une revue qui s'appelait L'Héritage, et dans le numéro 3 de cette revue, j'avais vu à mon grand étonnement une déclaration de Bruno Gollnisch, qui affirmait que la trilatérale n'était pas maçonnique. Alors là, vraiment, j'en suis resté assez stupéfié, car les trois fondateurs étaient des maçons de haut grade, Henry Kissinger, David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski. Ça veut dire quoi, ça? Et de la part de Bruno Gollnisch, et de la part de Thibaut de Chassé, qui a laissé dire sans réagir. Ça veut dire quoi? On dirait qu'il cherche à donner des gages. Je regrette beaucoup, mais ce n'est pas notre genre. Donc, quand je constate cette complaisance qui frise la connivence de nos milieux avec nos ennemis, je ne peux que constater que nous avons à nous battre sur deux fronts. Contre l'ennemi officiel que nous connaissons et contre ses compagnons de route dans nos milieux. Et que si on ne fait pas le ménage à l'intérieur, des gens continueront à être trompés par l'étiquette qu'ils se donnent et qui ne correspond pas à la réalité. Alors, il est évident que certains ont peur parce qu'il y a des lois répressives en France, notamment depuis la loi Fabius Gaïsso, Fabius qui est le président de... du Conseil constitutionnel, auquel on demande l'avis si telle ou telle loi est valable ou pas. Non, pas de surprise. Il ne faut pas s'étonner. Et puis, la loi Gaïsso du 13 juillet 1990 a été aggravée par la loi Lelouch du 3 février 2003, qui permet effectivement de punir de lourdes amendes les journaux nationalistes et de les étouffer. Et c'est à cela que je veux en venir, justement. J'insiste toujours là-dessus. Pour combattre l'adversaire, il n'est pas nécessaire de l'insulter. Il faut le définir tel qu'il est par les propres textes et déclarations qu'il nous donne. Et là, je dois dire que c'est ce qui m'a permis jusqu'ici, je ne dirais pas touchant du bois, parce que ça, c'est pas du bois, mais ça, c'est du bois, oui, solide. Jusqu'à présent, je suis relativement passé au travers des gouttes.
Il y a eu tout de même des essais, notamment de la Ligue de défense juive. C'est tombé sans suite. De grâce, quand vous parlez, ne vous défoulez pas, ou si vous écrivez, ne vous défoulez pas, donnez les textes de l'ennemi. Les gens intelligents et honnêtes comprendront, les autres n'ont aucun intérêt. Donc nous avons à combattre sur un double front. Et ceux qui, justement, par peur, par connivence ou complicité, font le jeu de l'ennemi, oublient en tout cas cet avertissement de Mgr Freppel, c'est une devise qui figure en première page de notre lettre d'information à la politique, on ne se relève jamais de l'abandon des principes. Ainsi, la France héritière du baptême de Clovis est minée de l'intérieur par le lobby juif sioniste avec ses différentes antennes, le CRIF et la LICRA, jusqu'aux médias qui sont sous leur coupe, et surtout depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Ça a été un tournant majeur. À partir de là, on a assisté encore plus qu'avant, parce qu'il y en avait déjà, mais la mise en place de toute une administration tenue par des éléments de la même origine que Sarkozy. En préparant cette conférence, j'ai cherché un petit peu dans mes différentes notes et je suis retrouvé sur cette citation de Raymond Barre. Comme quoi, à l'époque, bon, tel qu'était Raymond Barre, on ne peut être qu'être surpris, mais il a eu le courage. Et rappelez-vous, c'était à l'occasion de l'attentat de la rue des Rosiers. Non, rue Copernic. Copernic. Où il avait fait cette réflexion. Je considère que le lobby juif est capable de monter des opérations qui sont indignes et je tiens à le dire publiquement. Et c'était lors d'un entretien sur France Culture en février 2006. Ce qui lui valut un retour de bâton de tous les médias, bien entendu, etc. Et voilà, tout de même, il faut reconnaître que cet homme a eu le courage de dire ça, et que dirait-il aujourd'hui ? En fait, il n'y a là rien de nouveau, et un texte sur lequel je suis retombé dernièrement, au 1er siècle déjà, comme le rapportait l'historien romain Tacite, on accusait les Juifs de haïr le genre humain, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas eux. D'où la formule bien connue, ou tout au moins elle devrait l'être, conservateur d'eux-mêmes, destructeur des autres. Et quand vous examinez la démarche du monde juif, c'est exactement ça. Conservateurs d'eux-mêmes, destructeurs des autres, tout ce qui n'est pas lui. Et dans ce contexte, je voudrais encore citer quelqu'un que j'adore, Jacques Attali, qui annonçait dans l'Avenir du Travail, publié chez Fayard en 2007, il faudrait organiser la venue de 2 millions d'étrangers par an. Entre 2020 et 2040. Et pourquoi pas en Israël ?
Bon, nous n'en sommes pas encore là, aux 2 millions d'étrangers par an. Mais la politique immigrationniste à outrance depuis Nicolas Sarkozy, nous en sommes tout de même entre 300 et 350 000 par an. Donc c'est une véritable volonté de substitution de population à laquelle on assiste de la part de ces présidents juifs depuis Nicolas Sarkozy. Ce qui veut dire qu'à terme, faites le calcul, dans combien d'années les Français ne seront plus majoritaires chez eux. Voilà pourquoi il faut cibler l'ennemi, car les premiers responsables de cette situation ne sont pas les migrants. Ce sont ceux qui nous les imposent. Et là encore, avant de se plaindre d'une situation, il faut remonter à la cause, aux responsables. Et voilà ce que, entre autres, un Moïse Zemmour et tant d'autres de son espèce se gardent de rappeler, de remonter à la cause, car cela démasquerait ce qu'ils veulent cacher. Preuve de l'implication du pouvoir pour tenter de modifier la France chrétienne, un événement tout récent nous en donne une idée. La fête de la Hanouka, représentée par le chandelier à sept branches, qui a été célébrée pour la première fois dans l'histoire de la République, à l'Élysée, par la volonté d'Emmanuel Macron, ce qui confirme ses ascendances. Ainsi, le 7 décembre dernier, dans les salons d'apparat de l'Élysée, devant Emmanuel Macron, le grand rabbin de France, Haïm Porcia, allumait le chandelier à cette branche. Alors, ce qui est tout de même d'amusant, c'est que ça allait tout de même provoquer quelques remue-ménages dans les médias. Mais n'espérons pas trop, quand même, en eux. C'était parce qu'ils trouvaient que c'était attenté à la laïcité. Laïcité. La bonne excuse. Mais ce n'était que cela. J'ai tout de même relevé avec intérêt que même le président du CRIF avait, plus subtil, estimé que c'était une faute politique, car cela ne pouvait qu'accentuer l'antisémitisme qui fleurit aujourd'hui à travers le monde et notamment en France aussi. Il y a tout de même des juifs intelligents, mais n'empêche qu'il n'est tout de même pas des nôtres. Ne rêvons pas. Et alors, je voudrais souligner que cette cérémonie de la Hanouka à l'Élysée s'est produite alors que le président de la République, M. Emmanuel Macron, se voyait remettre le prix de la Conférence européenne des rabbins pour sa lutte contre l'antisémitisme. Donc Emmanuel Macron nage en pleine juiverie dont il est. Donc, par ce geste, Emmanuel Macron confirmait sa double appartenance, celle affichée par la cérémonie maçonnique devant la pyramide du Louvre, au soir de son élection présidentielle de 2017, et maintenant par la fête de la Hanouka. Celle de sa volonté de judaïser la France à la vue du monde entier, et en présence de tous les autres cultes, dont le culte catholique. Alors on pourrait se dire, bon,
la limite, oui. Mais à condition que des fêtes comme la Nouka et leur pendant, leur correspondant, dans la célébration par Monsieur le Président de la République, des fêtes chrétiennes, la naissance du Christ, ou pour l'islam, pourquoi pas, la naissance de Mahomet. Que nenni ! Le symbole du judaïsme, oui, les autres. Quant à la présence, justement, des représentants de l'Église catholique à cette cérémonie, cela ne peut nous étonner. Cela ne peut nous étonner, car depuis le décret Nostra Aetate qui a suivi Vatican II, l'Église catholique a cessé d'enseigner ce pourquoi elle a été constituée. Nous sommes donc avec Emmanuel Macron cette fois de façon ostentatoire par rapport à ses prédécesseurs Sarkozy et Hollande devant une volonté d'imposer le judaïsme comme religion de la République, donc de l'État. Cela n'a rien de nouveau. Drummond n'avait-il pas déjà à la fin du XIXe siècle, dans son ouvrage majeur « La France juive », dénoncé la judaïsation en cours de la société française qui éclate aujourd'hui au grand jour. Elle était la conséquence directe de l'entrée légale des Juifs dans la société française progressivement octroyée par Louis XVI et par Napoléon. C'est par l'édit de tolérance de Louis XVI en 1787, sous l'influence de la philosophie des Lumières, dont il était proche par l'abbé Fénelon et le chevalier de Ramsay, et de la Haskalah, dont le plus illustre représentant était Moïse Mendelssohn, que l'émancipation des Juifs allait se faire au travers d'une série d'actes. Puis ce fut Napoléon qui, en 1808, reconnaissait l'égalité de droit aux Juifs. C'est d'ailleurs ce que Israël Magazine, de novembre 2004, évoquait pour s'en féliciter. C'est la Révolution française qui accorde une nationalité de droit aux Juifs, mais ce sont les décrets de 1808 de Napoléon qui organisent le judaïsme et qui ancre les citoyens juifs dans la vie de la cité. En Italie, c'est Napoléon qui supprime les ghettos. Au Portugal, il laisse ouvrir les synagogues fermées depuis 300 ans. En Allemagne, il les libère de toute contrainte. Ce qui confirme, s'il était encore besoin, le rôle des Juifs dans la préparation et dans l'accomplissement de la Révolution dite française. Et l'annonce de la République universelle, portée par ses conjurés juifs, les Weishaupt, les Klotz, les Balsamo, etc. Déjà, le 7 mars 1807, la communauté juive avait remercié Napoléon, comme le rapporte Le Monde juif, info, du 14 octobre 2017. Béni soit jamais le Seigneur Dieu d'Israël qui a placé sur le trône de France un prince selon son cœur. Dieu a vu l'abaissement des descendants de l'antique Jacob et a choisi Napoléon le Grand pour être l'instrument de sa miséricorde. À l'ombre de son nom, la sécurité est entrée dans nos cœurs et nous pouvons désormais bâtir, ensemencer, moissonner et cultiver les sciences humaines, appartenir à la grande famille de l'État, le servir et nous glorifier de ses nobles destinées. Voilà comment est rentré le monde juif dans la société française
et pas simplement française, parce que c'est une démarche mondiale. Et le premier signe de cette entrée dans la société, et surtout dans la politique, allait apparaître lorsque Adolf Isaac Crémieux devint premier juif français à faire partir d'un gouvernement sous les deuxième et troisième républiques. On allait vite constater la nocivité de ce premier élément juif dans la politique française. Sa préoccupation première fut d'octroyer la nationalité française au seul juif d'Algérie et à le seul, pas aux musulmans, qui pourtant s'était venu de se battre pour la France contre la Prusse en 1870. Et pour avoir une idée plus précise de ce que représentait cet Adolf Isaac Crémieux, président fondateur de l'Alliance israélite universelle, voici l'un de ses textes prémonitoires dont il faut toujours se souvenir pour comprendre la guerre juive qui est faite aux non-juifs. C'est un peu long, mais ça vaut la peine d'être cité. Rassemblez tous les cœurs généreux pour lutter contre la haine et les préjugés. Créez une société de jeunes Israélites idéalistes et militants qui se sentiraient solidaires de tous ceux qui souffrent à leur condition de juifs et tous ceux qui sont victimes de préjugés, quelle que soit leur religion. Si vous croyez que ce serait un honneur pour votre religion, une leçon pour les peuples, un progrès pour l'humanité, un triomphe pour la vérité et pour la raison universelle, de voir se concentrer toutes les forces vives du judaïsme, petit par le nombre, grand par l'amour et sa volonté du bien, venez à nous, nous fondons l'Alliance israélite universelle. L'union que nous désirons fonder ne sera pas une union française, anglaise, irlandaise, allemande, mais une union juive universelle. D'autres peuples et races sont divisés en nationalités. Nous seuls n'avons pas de concitoyens, mais exclusivement des co-religionnaires. En aucune circonstance, un juif ne deviendra l'ami d'un chrétien ou d'un musulman avant qu'arrive le moment où la lumière de la foi juive, la seule religion de la raison, brillera sur le monde entier. Dispersé parmi les autres nations, qui depuis un temps immémorial furent hostiles à nos droits et à nos intérêts, nous désirons premièrement être et rester immuablement juifs. Notre nationalité, c'est la religion de nos pères, et nous ne reconnaissons aucune autre nationalité. Petite parenthèse, pourtant nous avons trois présidents de la République juive. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Nous habitons des pays étrangers et ne saurions nous inquiéter des ambitions changeantes de pays qui nous sont entièrement étrangers pendant que nos problèmes moraux et matériels sont en danger. L'enseignement juif doit s'étendre à toute la terre israélite, quelque part que le destin vous conduise. Dispersé comme vous l'êtes sur la terre, vous devez toujours vous regarder comme faisant partie du peuple juif, du peuple élu. Si vous vous rendez compte que la foi de vos pères est votre unique patriotisme, si vous reconnaissez qu'en dépit des nationalités
que vous avez adoptée, vous restez formé toujours et partout une seule et unique nation. Si vous croyez que le judaïsme est la seule et unique vérité religieuse et politique, vous êtes convaincu de cela, Israélites de l'univers, alors venez, entendez notre appel et envoyez-nous votre adhésion. Notre cause est grande et sainte, son succès est assuré. Le catholicisme, notre ennemi de tout temps, gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière pour toutes les nations et tous les peuples, où la bannière du Dieu unique d'Israël sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit toutes ces occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adapter notre puissance à notre cause. Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, tous les trésors de la terre deviendront propriété des enfants d'Israël. C'était signé Isaac Jacob Crénieux, garde des Sceaux sous le gouvernement conservateur d'Adolphe Thiers entre 1870 et 1871. Un dernier texte dit de Moïse Zemmour. On revendique le droit. Ainsi, dans Destin français, page 86, Éric Moïse Zemmour ose affirmer « Le roi de France descend du roi David. Le peuple français descend du peuple d'Israël. La langue française, même au-delà de ses origines latines et grecques, tire ses sources de l'hébreu. Rien n'arrêtera les historiographes des monarques capétiens dans la quête de leurs racines juives. D'où l'affirmation de Zemmour, parlant de Saint-Louis, le roi juif. Alors, quand on lit ce texte absolument invraisemblable, c'est vraiment l'histoire de France révisée dans l'optique juive. On se pose la question. Conscient que l'État d'Israël vit par sa propre faute ces dernières années, peut-être même moi, que le projet du nouveau grand Israël annoncé par Zelensky en Ukraine n'aboutira pas du fait de sa défaite. Visiblement, beaucoup de Juifs verraient avec intérêt la France devenir un nouveau grand Israël. C'est ça que ces textes veulent dire. Vous comprenez ma démarche, j'y suis allé étape par étape pour aboutir à la finale. Voilà ce que cela veut dire. Ils veulent une France juive, point à la ligne. Et la cérémonie de la Hanouka vient concrétiser ce saut talmudique sur la France d'aujourd'hui.
Et merci à ceux et à celles qui l'ont élu et réélu, et à ceux qui ne réagissent pas. Voilà pourquoi il nous faut une révolution en profondeur et non pas des manifestations. Merci de votre attention. Merci. Je suis à votre disposition pour les questions comme d'habitude. Oui, le jour de la fête de la Hanouka, il y avait aussi une menorah au pied de la Tour Eiffel. Oui, bien entendu. Et à République. Oui, bien sûr. Il n'est pas question de mettre, ne serait-ce que le sapin de Noël, même pas, c'est la menorah. Alors qu'en Pologne, il y a un brave Polonais qui a éteint la Hanouka à coup d'extincteur, en France, on nous l'impose. La menorah. Qu'est-ce que c'est, oui, monsieur. Bon, alors vous dites que la France est effectivement judaïsée, mais les États-Unis, c'est encore 10 fois. Ah oui, bien entendu. J'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas qu'en France, c'est universel. Alors moi, je faisais la blague, j'ai pas mal d'amis américains. Déjà, George Bush, ça fait au moins 20 ans, en période de Noël, il souhaite. Alors, joyeux Noël, en américain, c'est Merry Hanukkah. Il souhaite un joyeux Hanukkah. Alors que jusqu'à présent, dans les médias français, je ne pense pas qu'on ait encore souhaité un joyeux Hanouka. Pour l'instant, on n'en est pas. Je pense que ça va pas tarder. Mais c'est l'évolution. Ils sont arrivés par petites touches, silencieusement au début, et puis au fur et à mesure qu'ils voyaient que ça ne provoquait pas de réaction, ils accélèrent la cadence. Le pire, c'est pas l'action de l'ennemi. C'est la passivité des gens, de nos milieux. Et d'ailleurs, c'est ce que Pidis dénonçait. Il disait que, en fait, le succès des mauvais venait de la faiblesse et la lâcheté des bons. Tout est là, il n'y a rien de changé. Attendez, monsieur d'abord dans le fond. Merci. Mais je pense qu'il y a autre chose. C'est la plupart des gens qui s'opposent extérieurement à tout ce qui est en vivant. Ce sont souvent des gens qui cherchent des motifs d'exaltation et qui ne sont pas vraiment assis et ancrés dans ce qu'ils croient. Ouais. Ce qu'ils disent croire. Oui, je pense. Ouais. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de tralala. Ouais. Ce que je veux dire, c'est au niveau européen, von der Leyen est né Albrecht. Oui. Voilà, oui, bien. Autre chose, Macron a toujours avoué qu'il avait été élevé par sa grand-mère maternelle. Mais bien entendu. Et qui elle-même a dû lui transmettre la haine des petits Français. Mais bien entendu, puisque elle, par son père, est une descendante des masses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tout ça s'explique, c'est logique. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que les peuples se laissent faire sans réagir. Mais Macron n'était pas dans un lycée catholique. Attendez, vous, monsieur, et monsieur après. En fait, des fois, ce n'est même pas nécessaire d'avoir des objectifs pour avoir des idées. En fait, ah, tout à fait. Et d'ailleurs, à propos d'Henri Lesquin, alors des fois, il y a des choses fausses, notamment sur les Khazars, Henri Lesquin, mais par contre, il a toujours dénoncé la judo-servilité et la fourberie de Zemmour. Il a toujours dénoncé ça, Henri Lesquin. Oui, c'est un des rares dans les milieux de la droite nationale. Qui ne s'est pas couché, en fait. Même si, par ailleurs, il peut dire des choses. Oui, n'empêche qu'il ne s'est jamais expliqué de sa fameuse déclaration. La France est née avec la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est parfaitement maçonnique. C'est ça, pour vous. Et il a eu, alors le plus beau, c'est que j'ai le texte, il a osé me nier qu'il n'avait jamais écrit ça, alors que j'ai le facsimilé de cette lettre du Club de l'Horloge numéro 40, où il y a ça. Son portrait et la déclaration. Tiens, vous avez ça notamment dans mon livre La maçonnerie. D'ailleurs, je suis en train de terminer la troisième ou quatrième édition, assez largement augmentée. Je pense le sortir dans un ou deux mois environ. Oui, madame, après. Mais en fait, c'est une coïncidence intéressante, sauf qu'avant-hier, parce que moi je suis très éclectique, j'étais à une conférence.
instauré par l'Institut Elie Wiesel, et c'était une grande... L'Institut Elie Wiesel. Elie Wiesel, et c'était sur les juifs médiévaux, sur je trouve, et c'est extrêmement intéressant, et c'est là qu'on prend conscience qu'en en fait, pendant 4 siècles, parce qu'il y a eu une expulsion des juifs, je crois que c'est le 14e siècle, il n'y avait pas un seul juif à Paris jusqu'à la Révolution française. Le point de départ, malheureusement, et ça, c'est pour ça que je suis obligé de régulièrement dénoncer la faiblesse de Louis XVI. Ça a commencé avec Louis XVI, ça s'est poursuivi avec Napoléon, et bien entendu, là. Et c'est pour ça, ce qui explique, mais tout ça est d'une logique, mais absolument implacable. C'est... La Révolution a été faite pour ça. Il y avait 50... Alors, madame d'abord. Ouais. Justement, j'essaie de rebondir sur ce que vous aviez dit, c'est-à-dire la passivité du peuple français. Hein, je vais dire ça comme ça. Et à votre avis, par qui ou par quelle communauté viendra la révolution, ou j'ai même écrit la restauration de la nation? C'est-à-dire la passivité du peuple français, excusez-moi, mais on la voit. Donc, pensez-vous pas que la restauration de la nation sera plutôt faite par une communauté qu'on n'attend pas, c'est-à-dire les musulmans, si, quand bien même, ils sont communautaires? En tout cas, je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de musulmans qui prennent contact avec moi pour m'applaudir, en me disant textuellement, heureusement qu'il y a des Français comme vous. Ils se sentent plus français que des Français. Et est-ce qu'ils n'ont pas justement... J'en suis parfaitement conscient. Et j'en profite pour les remercier, d'une part. Et il est évident que... c'est amusant, vraiment, les retournements de l'histoire. Il n'est pas du tout exclu que ce soit par une frange, par l'entièreté de la communauté musulmane, par une frange des musulmans en France, que le danger juif nous soit écarté. C'est pas du tout exclu. Et d'ailleurs, ça correspond tout à fait à la stratégie qui n'est pas... En fait, non, c'est pas une stratégie, c'est réellement ce que je pense, c'est que nous avons un ennemi commun, nous devons nous allier pour éradiquer ce monde, cet ennemi commun. On a la religion de chacun, on n'a pas à intervenir là-dessus. Sous l'Ancien Régime, toutes les religions étaient admises, mais il y avait la religion tutélaire de la France qui était le christianisme, point à la ligne. On ne peut pas l'accepter, on s'en va. Donc toutes les autres communautés, y compris juives, pour autant qu'ils ne cherchent pas à nous faire une France juive. Aussi simple que ça. Donc, du coup, en fait, ce que je pense, c'est, par rapport à ce que vous avez dit, comment ça se fait que la communauté dont on n'a pas le droit de citer le nom, d'un côté, on a des gens de cette communauté qui favorisent l'immigration, il faut le dire, arabo-musulmane ou subsaharienne musulmane, et de l'autre côté, on a des émours qui condamnent cette migration. Comment ça se fait qu'il y a une ambivalence comme ça au sein de la même communauté, sachant que... Vous parlez de la communauté musulmane, ou pas? La communauté juive, qui favorise en fait d'un côté l'immigration arabo-musulmane ou subsaharienne, et de l'autre côté, qui la condamne, sachant qu'ils savent très bien que ça va se retourner contre eux. Ben justement. Est-ce qu'ils veulent favoriser une guerre civile? Bravo. Ils n'ont pas compris que la guerre civile, ce sera contre eux, mais pas contre les chrétiens. Bravo. Excellente observation, justement. Et je vous remercie de l'avoir souligné. C'est une chose, effectivement, qui saute aux yeux, c'est que ceux-là même qui ont fait venir cette masse immigrée pour nous détruire, pour nous submerger, est en train aujourd'hui de se rendre compte que c'est en train de se retourner contre eux. C'est l'histoire de Frankenstein. Mais, en fait, ce qui les dérange dans l'immigration, c'est que cette immigration, devant les exactions de l'État d'Israël en Palestine, qui ne date pas d'aujourd'hui,
se retourne contre eux. Donc, c'est pour ça que je compare avec l'image de Frankenstein. Ils ont créé le monstre, ça leur retombe sur la gueule. Mais il y a les exactions dont vous parlez, dont les gens commencent à prendre conscience. Bon, oui, malheureusement, c'est une minorité. Ben, de toute façon, c'est toujours une minorité. Mais incontestablement, ben, je le vois par le courrier que je reçois de milieux musulmans. Il y a du fait des exactions, bien sûr, mais le fait aussi que, paradoxalement, la famille musulmane actuellement représente peut-être la famille chrétienne d'avant 1905. C'est-à-dire des gens liés qui vont prier dans un même lieu, qui sont très familles. Et ça, ils n'avaient pas compris qu'ils n'arriveraient pas à la casser aussi facilement qu'ils ont cassé, pas aussi facilement, mais qui mettraient autant de temps qu'ils ont cassé, disons, la famille française chrétienne, en fait, avec les divorces, les machins. J'apprécie votre remarque, justement. Les musulmans restent encore liés, restent encore, je ne sais pas si c'est communautaire. Mais famille, ils ont encore des lieux de culte qui se rassemblent, et tout ça, c'est très mauvais pour leur notamment projet. Sur l'homosexualité, par exemple. Ah oui, là, ils portent, bien là, avec ce qu'ils font dans les écoles... Le monde musulman est beaucoup plus réactif contre ces évolutions de la société, LGBT et compagnie, que malheureusement la société française doit... Tout à fait, socialement, je pense que c'est pour ça. Mais bon, ce qu'ils enseignent dans les écoles, même moi je suis à Paris 6, ils ne vont pas l'enseigner à Sarcelles. Tiens, à propos, je vais faire une petite parenthèse. C'est une information que j'ai vue ce matin. Et à propos de la mort de ce regretté Badinter. L'immense grand Robert. Regretté entre guillemets, bien entendu. Et là encore, le vicomte de Villiers s'est fendu d'un communiqué pour louer ce grand juriste, ce lettré remarquable, etc., etc. Donc, vraiment, Philippe de Villiers, vraiment, je vous le recommande à votre attention. Et si vous voulez passer des déclarations, soyez gentils, passez-les-moi, parce que ça va pas se passer comme ça. Oui. Mais attendez. Oui. Allez-y. Il était sur CNews hier et il m'a dit que c'était un fin lettré. Voilà, mais oui, exactement. Ah, pleurons mes frères, pleurons. Un truqueur, puisqu'il avait lui-même admis que ce qu'il avait écrit à propos de la Troisième République, il était obligé de reconnaître les progrès en criminalité de ce que faisait la Troisième République. Donc il a été, il a bien menti, surtout. Voilà. Mon propos, c'était, il y a quelqu'un actuellement, il s'appelle Berkoff aussi, qui est pas triste. Voilà. Donc, bien sûr, il est juif, mais qui est pas triste, qui prend beaucoup de, qui est un peu, qui fonctionne un peu comme Zemmour. Il dit beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais quand on creuse un petit peu plus ce qu'il dit, on arrive à des choses un peu spéciales. Par exemple, il a parlé de l'Airbus réalisation européenne. Et non pas Airbus, réalisation de sociétés européennes. Et à son niveau de connaissance, ce n'est pas un lapsus, c'est une volonté. Mais bien entendu. Ouais. Donc il y en a d'autres également. Les mots sont faits pour représenter quelque chose de précis. Bien sûr, oui. Ce qui fait la richesse de la langue française, d'ailleurs, qui jusqu'à, disons, la pré-première guerre mondiale, était la langue officielle de la diplomatie, du fait de sa précision. L'anglais a pris la succession. Donc, il était bien, les mots. Et d'ailleurs, j'ai une formule à propos des mots. Les mots sont les bannières des idées. Des pensées. Et c'est pour ça qu'il n'est pas gratuit d'utiliser tel mot plutôt qu'un autre, parce que ça représente quelque chose qu'il y a derrière. Et on peut l'écouter. Parfois, il parle du catholicisme moyenâgeux. Quand on dit moyenâgeux, c'est pour... Pour discréditer, bien entendu. Voilà, il est pas sympathique. Voilà. Donc il faut se méfier de ce personnage. Moi, je vais vous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que pour vous être français aujourd'hui? Parce que moi, je vais vous dire, je suis d'origine espagnole, je suis né en France. J'ai choisi la nationalité française à l'âge de 16 ans, par déclaration devant le tribunal d'instance. Et en plus, je me suis aperçu dernièrement
que je pourrais même être d'origine juive marane. Bon, d'accord. Eh oui. Pourquoi ? Parce que mon nom figure sur la liste publiée par le gouvernement Sanchez. Rajoy, vous avez raison. Rajoy, c'était avant. Rajoy, quand ils ont voulu réintégrer dans la nationalité espagnole les juifs maranes. Je vous rappelle que Marano, en espagnol, ça veut dire cochon. Oui, oui, oui. Ça veut dire les convertis, oui, oui, conversos, les convertis, les juifs convertis au catholicisme de force par de force, pas nécessairement de force. C'était souvent par intérêt. Avec un cheval et tout ce que pouvait porter le cheval. Bon, on ne peut pas dire la même chose de ce qui se passe en Israël actuellement avec les... Donc, ceux qui ont voulu rester se sont convertis, oui, mais ils étaient juifs à l'intérieur et catholiques à l'extérieur. Donc, on les appelait les cochons. Bien entendu. Et mon nom figure dedans. Bon, comme le nom de Ralsam. Alors, je vais répondre. C'est Cervantes qui figure dans le nom, dans la liste des noms, possiblement. Donc, le début de votre question, c'est qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? Oui, tout à fait. N'est-ce pas ? Oui. Bien, être français aujourd'hui, c'est accepter ses origines. Accepter ses origines. Oui, d'accord. Point de ligne. Quelle que soit l'origine de la personne. S'il accepte de bonne foi, il n'y a pas de raison. C'est simple que ça. Mais François, pas besoin de faire un grand discours. Et sinon, dans les conversions, il y en a qui étaient sincères. Comment ? Dans les conversions, il y en a qui étaient sincères. Madame. Je disais qu'en fait, en Espagne, il y avait deux types. En fait, il y avait les conversos, c'était ceux qui étaient sincères, comme disait monsieur. Et les maranes, ceux qui faisaient semblant de se convertir, qui sont même arrivés dans le sud de la France, etc. Ah ben, il y a eu, Il y a eu des conversions célèbres. Il y a eu des conversions célèbres. C'est évident. Donc, il y a eu des conversions à la fois célèbres et à la fois honnêtes. Mais ce n'est pas la majorité. Mes parents étaient catholiques, tous mes grands-parents étaient catholiques, etc., depuis longtemps. Donc, je ne le savais même pas. Non, mais ça, c'est évident. J'ai des conversions en 2021. Pour tout nationaliste, on est ouvert à tous ceux qui se veulent s'agréger à la nation française. Mais pour autant, qu'ils acceptent le socle de la création de la nation française. Bien sûr. C'est pas compliqué. La langue et la culture. C'est aussi simple que ça. La France de Clovis, c'était pas celle d'aujourd'hui. Hein. Ben, je crois que c'était le but de ma conférence. C'est la langue et la culture, finalement, qu'il faut accepter. En partie, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire la langue, oui, la culture, oui, mais du fait des origines. Oui, aussi. Alors, quand l'autre, Zemmour vient nous dire que je crois que c'est Zemmour, moins que ce soit italien, je ne me rappelle plus, vient nous dire qu'en fait la langue française vient de l'hébreu. Quand même! Mais c'est de la refondation, ils inventent une fondation nouvelle. Ah, mais ils inventent! Ils inventent! Pas fait de latin, ça, je pense que mon prochain éditorial dans notre lieu d'information, La Politique, va être justement sur le double visage de Macron et de Villiers. Magnifique. Il y a de quoi faire. Oui, je crois que c'est un député de LR, Lelouch. Alors, qui Lelouch, ça, son prénom, j'ai oublié, son nom de famille, c'est Lelouch. C'est un homme politique, Pierre Lelouch, je crois. Oui. Alors, lui, par rapport à l'immigration, alors, il craignait que ça puisse, par rapport au changement de population, il craignait que ça puisse remettre en cause la politique étrangère de la France. Étrangère. Ça veut dire que, par exemple, sur les musulmans, là, en politique étrangère, il serait contre un peu le pouvoir en place. Mais sur les questions intérieures, c'est différent. C'est pour ça que d'ailleurs l'immigration a été voulue pour diviser, parce qu'il y a des intérêts opposés. Hein. C'est pas évident que, les alliances, là, comme disait Madame, c'est pas évident, parce que d'ailleurs l'immigration a été voulue pour diviser, hein, et ça s'est réussi hein, de diviser. Hein. C'est pas évident de. Je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, je pense. L'immigration récente. Moi, je voulais intervenir sur l'appellation judéo-chrétien qui est très mal comprise. Alors, en fait, la véritable définition du judéo-christianisme, c'est très précis dans l'histoire, c'est entre le
c'est les deux premiers siècles du christianisme où, en fait, les judéo-chrétiens, c'était dans les premiers siècles de... C'était tout simplement une secte juive. C'est-à-dire qu'après la mort du Christ, pendant deux siècles, les judéo... Et quand on lit les actes des apôtres, il y a toute une issue de savoir si le christianisme devait accueillir des personnes non juives. Et d'ailleurs, dans l'évangile selon saint Matthieu, il y a Jésus qui dit... Quand je dis ça, ça fait hurler certains catholiques, mais il y a Jésus qui dit « Tu n'entreras pas dans la maison du Samaritain ». C'est-à-dire que déjà, un Samaritain, il n'était pas évident qu'il devienne chrétien. Donc, alors, en fait, le judéo-christianisme, alors, à un moment, il était en opposition au pagano-christianisme. C'est-à-dire qu'il y avait et que peu à peu, les pagano-chrétiens ont supplanté les judéo-chrétiens. Mais quels gens utilisent... Ils ont été aidés par le comportement des Juifs par rapport au message du Christ. Oui. Et à partir du moment où... De toute façon, le message du Christ était destiné pas aux seuls Juifs, comme les Juifs le voulaient, pour leur donner le pouvoir sur le peuple, sur le monde, mais à tous les peuples de la création. Et quand le Christ dit à ses apôtres « Allez, convertissez toutes les nations », ce qui est intéressant dans cette déclaration en plus, c'est qu'il parle de nation. Alors que des chrétiens aujourd'hui viennent nous dire que le christianisme c'est internationaliste et qu'on n'a rien à faire avec les nations. Je regrette beaucoup le Christ lui-même parler des nations. La nation en hébreu c'est les goïms en fait. Oui, mais les goïms qui sont devenus le nouveau peuple élu. Ouais. Par la faute des Juifs. D'ailleurs, aux États-Unis, en fait, quand on parle des sionistes américains, les sionistes américains ne sont pas des juifs, ce sont des protestants. Et d'ailleurs, l'origine du sionisme, ce sont des protestants extrêmement. Tout à fait, tout. Et que d'ailleurs, un pays comme la Suède est beaucoup plus enjuivé qu'en France. Tout à fait. Parce que moi, je fréquente l'église suédoise et c'est incroyable de voir qu'en fait, il y a une espèce d'analogie. Les Suédois, bon, c'est un peu des juifs blonds, yeux bleus. Quoi. D'ailleurs, le protestantisme, c'est un peu une régression. De toute façon, le protestantisme a été une révolution dans l'Église qui a été influencée par les Juifs. Et rappelez-vous, je ne sais pas si vous n'étiez pas là, je crois, lors de ma conférence sur ce sujet. Enfin, je touchais à cela, mais ce n'était pas le moment plus qu'il était changé. Mais vous ne savez pas que Luther, à la fin de sa vie, s'est rendu compte à quel point il avait été manipulé. Il détestait les Juifs. Et qu'il a écrit un pamphlet qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je vous garantis qu'aujourd'hui, il serait passible de pas mal de peines de prison. Il se télécharge sur la Bibliothèque nationale sans problème. Libre à aller. Ah oui, bien entendu. Non, non, mais ça se trouve. Oui. Ah non, ça se trouve, il n'y a aucun problème. C'est téléchargement gratuit en plus. De ce côté-là, on se trouve. Mais d'ailleurs, on trouve beaucoup de choses à la Bibliothèque nationale. Oui. Par rapport à ce que vous aviez dit concernant la liste, alors ça je ne connaissais pas. Par rapport à ce dont vous aviez parlé sur la liste Atlantico, c'est-à-dire les Espagnols qui ont des ancêtres juifs, vous ne pensez pas qu'avec une liste pareille, il risque d'arriver à terme ou à long terme à l'Espagne qui arrive aujourd'hui à la Palestine, c'est-à-dire qu'une fois que les Français d'origine espagnole et d'origine juive qui seront redevenus espagnols, ne vont pas revendiquer des terres, parce que je sais que c'est ce qui se passe au Maroc actuellement. Bon, l'Algérie, les frères des calfaires, mon mari est un espagnol, je lui ai dit, tu vas voir, toi, ta baraque, elle va disparaître, mais nous, on a des ancêtres juifs, je ne suis pas si content, parce que je pense que ça va disparaître, parce que quel est le bien fondé de cette liste-là? Parce que si on cherche dans toutes les origines... Oui, alors, je vous répondrai comme j'ai répondu à monsieur tout à l'heure. Quelle que soit leur origine, le point fondamental, quelle que soit leur origine, acceptent-ils ou non les fondements chrétiens de la France? Non, mais là, ça sera sur l'Espagne. Oui, ils vont se faire exprimer. Eh bien, je dirais, un Espagnol pourrait dire la même chose que ce que je dis pour l'Espagne, et ainsi de suite. C'est vrai. Le socle fondamental, est-ce que ceux qui viennent s'ajouter, ayant d'autres origines, y compris juives, acceptent ou non, de bonne foi, le socle de la nation française, ou non? Tout est là. Oui, comment vérifier la bonne foi des nouveaux adhérents, entre guillemets? Comment vérifier la bonne foi, entre guillemets, des nouveaux adhérents? Ça, c'est compliqué.
Ben, écoutez, premièrement, ils n'ont pas tellement... Pourquoi prennent-ils leur contact avec moi? Je pense qu'ils se retrouvent dans le discours que je tiens. Bien. Tout simplement. Mais justement, c'est ce que ne fait pas la République. Ils savent très bien que je défends le droit des Palestiniens à occuper leurs propres terres contre cette secte immigrée qui, comme un coucou qui s'installe dans le nid. Donc ils savent très bien, on est compatibles. On est compatibles, on a des religions différentes. Et je me tue à le répéter, on a l'ennemi commun. Et ça, c'est le principal. Oui. Oui, alors, moi, j'ai une expérience assez extraordinaire. J'ai avec une amie pasteur qui connaissait une aumônière israélite, j'ai pu visiter 5 synagogues. Et c'est assez impressionnant comme expérience. D'ailleurs, j'ai visité 5 synagogues parce que moi-même, je ne suis pas juif. Parce que si j'avais été juif, je ferais partie d'une sous-secte. Enfin, si j'étais juif ashkénaze, je ne pourrais pas aller dans une synagogue. Etc. Et alors, c'est tout à fait extraordinaire. C'était très riche d'enseignements. Et en particulier, ce qui est tout à fait frappant dans les grandes synagogues, c'est de voir la manière dont les juifs, quelque part, s'approprient. Alors, on voit les gens avec des bicornes, un peu comme des bicornes polytechniciennes. Mais alors, on voit, par exemple, tu aimeras... Alors, ce qui est très frappant, et ce qui est un piège, on voit... Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, c'est ça. Ce sont les frères, les co-religionnaires. Voilà. Finalement, les juifs et les chrétiens, c'est la même chose, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sauf que pour les juifs, un prochain, c'est un prochain. Et d'ailleurs, c'est dans les Actes des Apôtres, ça, dans saint Paul, il y a tout un débat. Bien entendu. Mais si vous lisez le Talmud, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Et concernant la citation que vous avez reprise de Philippe de Villiers, « Si Israël meurt », bon, j'ai pas tout noté, je suis désolée. Vous pensez pas que c'est une déclaration de guerre à la France? C'est-à-dire, si Israël meurt, la France partira avec elle, un truc comme ça? Parce que par rapport aux événements maintenant, mais à mon avis, c'est la démonstration des bruits qui courent sur lui, sur ses origines. Il a fait une déclaration comme ça. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de disparition de la France. Tout à fait. Oui. Si on parle de la famille de Villiers, son frère, le général, n'est pas triste. Alors, son frère, le général, justement, ça fera partie de mon prochain éditorial dans la politique. Si vous n'êtes pas abonné à la politique, je vous conseille de vous y abonner. Vous trouverez des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Bon. Des exemplaires ici. Le frère de Philippe de Villiers, qui s'appelle Pierre de Villiers, a reçu des mains de rabbins. Il doit y avoir environ 5 ou 6 ans. J'ai la photo. La Hanouka a 9 branches. C'est encore mieux. C'est encore plus haut situé dans la signification. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Exactement, la menorah est à 9 branches. C'est pour ça que je disais 9 branches, justement. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent en lui et qu'ils voulaient le remercier de son action. Donc la famille de Villiers. Et qu'est-ce que cela évoque? Je vais encore revenir là-dessus. Qu'est-ce que cela évoque? Une chose que j'ai déjà dite et redite et que je redis encore aujourd'hui. Le rôle de Louis XIV dans la judaïsation de l'élite aristocratique française, quand il leur recommandait, puisqu'il se ruinait à Versailles, d'épouser de riches héritières juives. Pourquoi croyez-vous qu'il y a eu tant d'aristocrates juifs qui ont participé à la révolution dite française? Vous trouvez ça dans mon livre La maçonnerie, je regrette de ne pas pouvoir l'avoir ici pour l'instant. Un peu de patience. C'est redorer son blason, quoi. Hein ?
on redore son blason grâce à... Mais dites là, c'est ce qu'on appelle redorer le blason. D'où la vieille expression, il n'y a rien de nouveau. Justement, ceux qui citent cette formule en disant « c'est redoré, il a redoré son blason », ils ne savent pas en fait à quoi ils font allusion. Ah oui. Tout simplement ça. C'est la judaïsation d'une certaine haute aristocratie française. Hein. Mmh. Il n'est pas question de mettre cet opprobre sur toute l'aristocratie française. Il y a eu l'aristocratie qui est restée fidèle dans ses terres, et c'est la haute aristocratie, les grands noms, qui ont été le plus judaïsés. Mmh. En plus, comme la judaïté s'est tentée par la mère, et l'aristocratie par le père, donc on peut être un marquis juif. Oui. Élémentaire, mon cher Watson. Bon, on arrête là les questions, on passe aux signatures de livre, si vous voulez bien. Oui. Bon, eh bien, écoutez, merci à vous pour ces bonnes questions. Merci.